Ça va, madame? Combien de doigts vous les voyez? Vite les urgences, appelez-les. Pourquoi vous chantez? Mais pourquoi moi je chante? Il n'y a personne près de vous. Quelqu'un pour parler avec nous. Êtes-vous ok? Est-ce que ça va? Êtes-vous ok? Est-ce que ça va? Le cerveau est une chose étrange, Elliot. Peut-être qu'elle entend chanter. Oui, bah, j'ai plus chanté depuis une fête de l'école où j'interprétais Pat Benatar, L'Enfer est pour les enfants. Et juste après, Monsieur Chemine, le proviseur, a dit non, L'Enfer, c'est pour tous ceux qui t'ont entendu chanter cette chanson. Ma mère était si fâchée qu'elle a couché avec lui et qu'il a divorcé. Voyons comment elle va. Salut, c'est le docteur Kelso, quel bonheur de vous avoir. On dit que vous vous êtes évanoui, mais pourquoi je voudrais le savoir? Ne vous prenez pas la tête, y a pas de raison d'avoir peur. On peut vous soigner, je vous le dis. Bienvenue au Sacré-Cœur. Nos installations sont excellentes, vous ne trouverez pas mieux. Surtout si vous évitez les wawa du Salon Bleu. Voici le docteur Cox et il vous verra tout à l'heure. Et ça, c'est docteur Kelso, le ringard du Sacré-Cœur. Vous vous êtes brûlé votre main, on vous fait un bandage. On peut vous enlever ce tas de gras ou vous raboter le blaze. Hey! Choper une MST, un petit souvenir d'une fille en fleurs. Personne vous jugera au sacré, sacré nom, au sacré nom, au sacré Je vous préviens, s'il est vrai après tout, qu'à l'hôpital tout le monde semble chanter pour vous. Votre cas est des plus sérieux, faut vous soigner dans l'or. Oui, si vous croyez qu'on chante, votre place est au sein.